Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Fortnite et je vais surtout vous parler de la saison 5 qui va venir dedans une semaine et demie qui va arriver. Je tiens quand même à préciser que je vais vous montrer un extrait d'une vidéo de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une vidéo qui m'appartient à moi. Puisque d'après ce que je vais vous expliquer, je n'ai pas pu participer à l'événement, vous allez comprendre maintenant parce que je vais vous expliquer. Alors samedi, il y a eu le décollage de la fusée Fortnite, comme vous avez pu le constater si vous y étiez vers 19h30. Et la fusée, on peut dire qu'elle a fait des dégâts. Donc, il y a eu la fusée qui a décollé à 19h30 comme c'était prévu sur tous les serveurs à heure de Paris. Je vais vous montrer ça. Et voilà, voilà ce qu'elle a fait la fusée. Donc dans le ciel, il y a cette bréchure là, cette grosse bréchure temporelle, on peut dire ça, un peu comme dans les films et tout. Et en fait, je vous montre l'extrait. Quand la fusée elle a décollé, et ben ça a fait. Elle est partie dans l'espace. Et puis elle est redescendue et sur Titan Tower. Et elle s'est téléportée. Genre après on l'a retrouvée vers le bout de la map et tout. C'était bizarre. Je dois vous l'accorder, c'était très bizarre. C'est Anarchy ça. Ah non, c'est fatal. Puis après à Anarchy, je sais pas si on le voit sur la map. Ouais, c'est juste là, je crois. Il y a donc l'autre bout de la fusée qui atterrit. Donc ça c'est entre guillemets la chose normale. Et puis, il y a eu des trucs temporels comme ça. Qui s'est fait. La fusée, elle est retournée dans l'espace, bien sûr, après. Sauf que quand elle est retournée dans l'espace, en fait, elle a fait ça. C'est une bréchure là, bizarre. Alors moi, je crois que c'était normal. Mais d'après ce que j'ai pu voir, je crois que la fusée, je crois que dans la saison 5, ce qu'on pourra faire, c'est qu'on pourra se téléporter d'un point A à un point B. Genre de Anarchy à Fatal. De Lonely à Snobby, des choses comme ça, d'un point A à un point B, mais vraiment des choses à des endroits qui se ressemblent. Je pense que ça peut être bien, et peut-être même que, puisque là c'est des portails qui seraient fabriqués donc, par une espèce de matière bizarre, un peu comme les pierres qu'on peut trouver à de style là. Et peut-être que même les gens qui rebouchent les trous, là vous savez, les trous qu'on avait à Tiled et tout, et bien peut-être que eux ils vont développer avec les petites pierres qui permettent de se tétrio là, des genres de portails qui pourra après nous faire traverser toute la map. Vous pourrez genre aller de Tiled à Anarchy ou de Loot Lake à Fatal, voilà quoi. Vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Et puis j'ai appris en lisant et en m'informant un petit peu sur cette bréchure. À l'endroit de la bréchure, il y a une sorte de couche atmosphérique. Atmosphérique, c'est plus chaud à dire quand même. Et en fait, cette couche, elle permet en mode PVE aux zombies de ne pas venir sur la map. Donc peut-être que déjà le mode sauver le monde sera gratuit. Et là, s'il est gratuit. À la saison 5, ce sera pas mal parce que normalement ça devait sortir en juin, mais au final c'est pas sorti en juin, donc ce serait parfait si elle sort à la saison 5. Ça reste quand même dedans les temps de ce que Fortnite disait en juin. Ça s'est un petit peu retardé à juillet août, c'est pas non plus, c'est comme si c'était en 2019. Donc il nous disait que le mode PVE serait gratuit en 2018, donc ce serait vrai et ce serait pas un fail, et donc là ce serait vraiment super. Et peut-être qu'on aura même des zombies qui viendront sur la map du mode Battle Royale. En tout cas, j'espère que cette vidéo très courte information sur Fortnite de la saison 5, d'après moi, elle vous aura plu. J'espère que ce que je viens de dire là, et ben tout sera présent. Les portails de téléportation, comment ça s'appelle ça? Les portails de téléportation. Après qu'est-ce qu'il y a encore, peut-être des nouvelles armes qui utiliseront donc ces brèches temporelles et ces petites pierres là, ce serait vraiment super. Et peut-être encore plein d'autres choses. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. À la prochaine.